President, the court is now in session. Reprise de l'audience. President, please be seated, and the court is now in session, and the floor is given to the defense team for Mr. Nunchia to resume the questioning to this witness. Please proceed. Pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Maître, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Good afternoon. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Honorable juge. Mr. Witness, we spoke about Monsieur le témoin. Division 703 cadres. Nous avons parlé des cadres de la division 703. And who, according to the document that I showed you, had been released. Et qui, selon le document que je vous ai présenté, avait été libéré. I would like to draw your attention to a, j'aimerais attirer votre attention a document, sur un document in which Son Sen, a person that you know well, dans lequel Son Sen, une personne que vous connaissez bien, talks about various categories of enemies. Parle de diverses catégories and, d'ennemis. It is a talk or rather a speech that he held on the 9th of October 1976. Il s'agit d'un discours prononcé le 9 octobre 1976 secretaries and deputy secretaries of divisions, des of all the divisions. Et secrétaires adjoints de toutes les divisions. And I would like to read to you a specific excerpt and then vous donner lecture ask de certains you your extraits reaction. Auxquels je vous demanderai de réagir. Who constitutes enemies, etc. On a parlé, but I want to now be a little bit more specific. De la définition de l'ennemi. I actually have the Khmer excerpt from that document j'ai for you, Mr. President. Khmer I'm de referring document. To document E3/13. I'll be showing Khmer page 00052414. English, ERN en anglais, ERN 00094-03-54-55 President, please proceed. Le président, vous y êtes autorisé. It's the part that I highlighted in orange. C'est la partie surlignée en orange and it says, sur votre and I will document. With you in English, Monsieur le témoin, je vais donner lecture en operational anglais. Methods. Méthode opérationnelle. One. Continuous education l'éducation is continue imperative. Est un impératif. Two. Deux. It is imperative to purge il est impératif no good elements de purger les mauvais absolutely. Éléments. In the sense de façon of an absolue, absolute class struggle. Dans le sens d'une lutte the absolue des classes. Is premised on three la purge principles. Se fonde sur trois principes. Category one, première catégorie, the dangerous category. La catégorie they des must éléments be dangereux. Absolutely purged. Ils doivent être absolument purgés, category two, éliminés. The ordinary la catégorie 2, liberal category. La catégorie des gens they must ordinaires be educated et indisciplinés. Again and again ils doivent être in éduqués our education schools. Et éduqués encore dans des écoles. Category 3. À cet effet. Category of those catégorie 3. Who have merely been incited by the enemy. Qui ont simplement été merely incités believing par l'ennemi, in the enemy incitement. Qui ont cru en l'incitation as a first step, they should de l'ennemi. Undergo refashioning ils doivent être to get them remodelés, rééduqués no dans un premier temps the enemy. Pour qu'ils ne end puissent quote. Plus croire en l'ennemi. Fin de citation. Mr. Witness, this distinction into three categories. Monsieur le témoin, is that something cette distinction you en trois catégories heard Son Sen, d'ennemis or Duik or any other senior cadre ever say saying at S21 reflète-t-il category, les propos those three categories? Ou la catégorisation de Duik ou d'autres hauts cadres du régime à S21 aviez-vous jamais entendu parler de ces trois catégories par le cadre du régime. I
was questions on this particular topic, particularly in relation to the training sessions by Dutch. Ce thème particulier dans les séances de in formation late 1977 and 1978. There were different types of arrests and study sessions. Il y avait divers types d'arrestations. We had to be vigilant. So the vigilant stance had, however, some impacts on other issues. Cette vigilance avait une incidence sur d'autres questions. And during the time, there were continuous study session or education for all of us. D'éducation et des séances de formation continues pour tout le monde. Question. Mr. Witness, was this pour que ce soit bien clair, Monsieur le témoin, j'aimerais savoir si cette distinction en trois catégories d'ennemis. Was this something that you knew at the time? Was this était une catégorisation dont vous aviez connaissance à l'époque? Cela faisait-il partie d'une politique regiment, mise en œuvre 21, S21? Dans tout le centre S21? That was the theory or principle, and it did not fall within my realm of responsibility. Le principe en vigueur et cela ne relevait pas de mon domaine de responsabilité. Question. Qu'entendez-vous par là, juge Fens? Veuillez poser une question après l'autre au lieu d'amalgamer trois questions en une. Vous avez commencé par lui demander s'il avait entendu parler de cela, puis vous en avez ajouté trois autres. Veuillez poser des questions courtes et précises. Let me try it again, la défense. The distinction into three je vais essayer categories à nouveau, Monsieur le témoin. Enemies. Il y avait une distinction. This distinction is that something that you know was implemented within en trois catégories d'ennemis. Savez-vous? The whole S21 network. Si cette distinction était appliquée dans tout le réseau de S21. That principle was to be implemented réponse, within the S21 and also outside of S21. That is the theory or principle of distinction. S21, c'est la distinction ou le principe de catégorisation soldiers des soldats and those who opposed the ANCA and revolution. Et des opposants à l'ANCA ou à la révolution. Now, do you know question. Which categories of enemies would go to Presar? Saviez-vous quelle catégorie d'ennemis allait à Presar? Go to the premises of S21. Et quelle prison of S21? Catégorie d'ennemis on envoyait à la prison de S21? The réponse. Three categories for those who fell within the category which was not considered to be light offenses pour ceux were qui sent dans la catégorie to Presar, and for those who were in the category of a serious one would be sent into S21. Et ceux ayant commis de graves infractions étaient envoyés à S21. Now, do you know who decided question. That one particular person savez-vous would go to qui décidait Presar d'envoyer telle catégorie de personnes à Presar to S21. Et telle autre à S21? I do not know who decided réponse. It. It was not my responsibility. Qui prenait une telle décision et cela ne relevait pas de ma responsabilité. Do you know where question. This was decided? Which place? Savez-vous
où l'on prenait les décisions, à quel endroit ces décisions étaient prises. But not done. Beyond my knowledge, counsel. Réponse, maître, je ne pourrais y répondre. Do you know if, question. The people who had been in the trucks that would arrive at the Beehive radio station. Savez-vous si les personnes qui arrivaient en camion à la station do you know whether they de radio would go, Beehive to take their photos and then go to S21 and Savez-vous se faisaient photographier puis aller à S21? Do you know anything about this process par la suite of à S24? Prisoners coming in? Savez-vous quoi que ce soit au sujet de ce processus d'arrivée des prisonniers, prise de photos? What would happen afterwards with them? Do you have any idea as to that particular process? Et que leur arrivait-il par la suite? Pouvez-vous nous décrire le processus? En avez-vous une idée? I do not know on this particular issue. Réponse. Since it was not within the scope of my implementation, so I cannot say pas dans mes fonctions. About it. Je ne peux donc pas me prononcer à ce sujet. Let me read to you, Monsieur le témoin, je vais vous donner lecture d'un extrait. From someone who was involved d'une personne in that whole process, qui était impliquée dans tout ce processus. You can give your reaction. Et je vous demanderai de réagir. I will be referring, Mr. President, je renvoie, Monsieur to, le Président, the WRI of the au procès-verbal d'audition unit, du chef de l'unité de photographie, document E3/7639. More particularly to particulièrement l'ERN en anglais 00016-2736-26-00-1-6-2713-13-00-33-80-79. So like I said, this comme je l'ai dit, the chief of the photography unit, il s'agit du chef de l'unité de Srang, photographier Nim Kim Srang, says the following. Qui dit ce qui question. Suit. Question. After their photos were taken, après la prise de where photos, were the prisoners sent? Où étaient envoyés les prisonniers? Answer. Réponse. The majority of the prisoners, la majorité des prisonniers who had been photographed, were sent qui avaient été photographiés étaient envoyés cultiver du riz. That, I don't know. Mais outre cette information, je ne connais rien d'autre. Les prisonniers qui étaient envoyés faire de la riziculture étaient des personnes de moindre importance. Je suis allée et j'ai pris des photos et j'ai vu qu'ils cultivaient du riz. Un peu avant ce passage, pour être complet, à l'ERN en anglais 00162733234, à 34, en Khmer, 00162-716-710, et en français 00338-0736. Pour être complet, le même photographe, chef de l'unité de photographie, décrit un incident avec Duyk. Il dit, un jour, lorsque je développais les photos, certaines étaient abîmées. Et lorsque j'ai demandé à reprendre ou refaire les photos, je ne pouvais qu'en retrouver deux. J'ai demandé à Duyk, frère, les prisonniers qui ont été amenés hier, où sont-ils tous partis? Il m'a dit qu'ils sont tous allés dans les rizières. Aller les photographier à la rizière. Fin de citation. Can you give a reaction to, what he has described. Pouvez-vous réagir something that you knew at the time? À cette description qui est faite? Est-ce une procédure dont vous étiez au courant à l'époque? Regarding the photographers, I have no knowledge of that issue since they had different tasks to perform and I had my own. Je ne suis pas au courant de cet incident car ils avaient leurs tâches et j'avais les miennes. The actual photo taking aside. Question, je comprends. Mettons de côté la prise de photo en elle-même. Mais avez-vous jamais entendu dire de tiers pendant que vous travailliez à S21
que même la personne envoyée après ça était enregistrée within, et prise en photo à l'intérieur de S21. But the work at Praisor is beyond my knowledge. Ce qui se passait après ça, je n'en avais pas connaissance. Do you know whether you, when you were working as a guard, savez-vous si were in a position to tell if a truck en votre qualité de garde à l'époque, pouviez dire si un camion qui sortait de S21 partait soit à Changek ou à Praisar ou à un autre lieu. During the time when I performed my guard duty, at the time there was not yet the education location at Praisar. Il n'y avait pas encore le site consacré à l'éducation à Praisar. That education or refashioning location was established at S21. I do not know where the trucks were sent to, and I do not know whether there was education location at Praisar. Ou de formation. Je ne sais donc pas où se rendaient les camions lorsqu'ils sortaient de S21, et je n'étais pas au courant d'un lieu consacré à l'éducation à Praisar. Do you know whether at any point in time prisoners you had interrogated savez-vous si à un moment donné were sent to Praisar? Les prisonniers que vous aviez interrogés étaient envoyés à Praisar. The prisoners I had interrogated so far were not seen that they were sent to that location. Je n'avais pas vu de prisonniers que j'avais interrogés être envoyés. And the principle at S21 is that no prisoners after interrogation were released. Était de ne relâcher aucun prisonnier après l'interrogatoire. Maybe not released in the sense of being free. Question. Je ne parle pas de libération dans le cadre de les libérer totalement. Mais lorsque je parle de libération, je parle de rééducation après SAR. Savez-vous ce qui est advenu des personnes que vous aviez interrogées? I do not know about that. Réponse. Je n'en ai aucune idée. So would it then be fair to say that you have, question. Generally speaking, no serait-il idea what would juste happen de dire qu'en général, vous n'avez aucune idée de ce qu'il advenait des prisonniers que vous aviez interrogés? The reason I said I do not know réponse. Is that I do not know, and I will only speak for what I have seen, have known, je ne sais and pas, have witnessed. Je n'ai pas d'information à ce sujet. Je ne peux parler que de ce que j'ai vu, que de ce que je sais, Mr. Witness, ou de ce que j'ai vécu. Question très bien, Monsieur le témoin. Now let me move on to, c'est comme cela qu'il faut procéder. A few other matters je vais before passer à I d'autres start points about the interrogation. Avant d'aborder celui des interrogatoires. You talked briefly this morning answering questions ce from matin, the en réponse civil parties lawyers about des co-avocats pour les parties civiles. Where you, vous avez brièvement parlé de la maison où vous interrogez les prisonniers. Combien de maisons y avait-il au total sur à l'extérieur de S21 consacré à l'interrogatoire des prisonniers? The houses of interrogation, réponse. The distance of those houses were not of specific length from the to S21, and the houses which could be used for interrogation would serve as interrogation location.
And a little bit outside the fence of prison, there were all those houses for interrogation. Un peu à l'extérieur de la clôture. And then there was bâtiment des prisonniers. there was a corrugated zine fence. Il y avait outside une those houses. En zinc. Is it correct that there were about 7 in houses where interrogations took place? Est-ce exact de dire qu'il y avait 7 maisons où les interrogatoires étaient menés? More than 7 houses. Réponse. Or perhaps il y en avait plus seven de or more 7. Than those, 7. 7 ou plus de 7 maisons. And do you know whether some were 50 meters away and some were 100 meters away? Une question, saviez-vous si certaines étaient situées à 50 mètres, à 100 mètres, ou étaient-elles situées sur un autre bloc de bâtiment? Est-ce que vous pouvez être plus précis sur l'emplacement de ces maisons? Interrogation houses réponse. Were located les maisons consacrées in à l'interrogatoire the east of the gate into à l'est du portail de S21. I am referring to the old gate. Je fais référence à l'ancien portail d'entrée de S21. Those houses were located rather to the north. Ces maisons étaient plutôt situées au nord. S21 and those de S21. Houses were located along the road leading to the outer fence and Deutsch's house was located close to Monivong Boulevard. De Deutsch était so près those du boulevard de Monivong. Houses within the block were used for interrogation. Ces maisons, and le there long were de ce bloc, blocks, étaient consacrées there, there à was another block of houses also il y avait for un autre bloc de interrogation of a prisoner as well. Où les prisonniers étaient également interrogés. Let me focus on the house where you interrogated prisoners. Question. Did you always use the same concentrons-nous house? Sur la maison où vous-même vous aviez interrogé les prisonniers. Utilisiez-vous toujours la même maison? But ខ្ញុំ ប្រើ ផ្ទះ មួយ ដដែល នឹង រហូត ទល់ ខ្ញុំ ចេញ ពី ហ្នឹង មក I used the same house for interrogation réponse, until I left that location. Jusqu'à ce que je quitte cet endroit, je menais l'interrogatoire dans la même maison. Whether it was possible question. For prisoners on the compound of savez-vous S21 s'il était possible pour les prisonniers dans l'enceinte de S21 d'entendre the person who votre was interrogated? Voix ou la voix de la personne interrogée? Regarding the loud voice, réponse. The loud voice could be heard since oui, the house was located around entendu, 50 or 60 meters away from the prison, not 100 meters away from the prison. De la prison et non pas 100 mètres. I'll get back to that. Let me first ask you question, some more general questions. Je vais vous poser d'abord des questions as an interrogator. Un peu plus générales sur votre travail d'interrogateur. Do you remember when your first interrogation took place? Vous rappelez-vous à quelle date vous avez mené votre premier interrogatoire? Answer. At first. Réponse. I interrogated prisoners to the north of the gate. Au départ, j'ai interrogé les prisonniers S21. Au nord du portail de rather S21. It was to the south of S21. That was plutôt the first location when I conducted the c'est interrogation cet endroit that happened j'ai at the small road. In the south of the gate. Le long de la petite route située au but, sud but du portail. When it was the first time question. That you interrogated vous someone? Rappelez-vous la première fois que vous avez interrogé un prisonnier?
Witness, could you specify the time frame once again? Which specific period of time you are asking me? De quelle période précise parlez-vous? Pouvez-vous spécifier? Question, j'espérais que vous me le diriez. Ma question était la suivante. Vous rappelez-vous de la première fois où vous aviez interrogé un prisonnier? Witness, thank you, counsel. I cannot recall the month and the year. Je ne me souviens ni du mois ni de l'année. I was not interested in the time frame. À l'époque, I had to perform my je me concentrais tasks uniquement and sur I had mon to travail. Complete my tasks as soon as possible. I was je not so interested in time le plus rapidement possible et je ne me concentrais it pas may sur have been le in temps, mid 1976 ni sur la date. Or late 1976. C'était peut-être en mi ou fin 1976. Question. Hier, vous avez identifié votre signature sur un document d'aveu. Heng Meng Heng, document de Heng Meng Heng, alias Chang. That confession, document E3/1549. Were somewhere in February 1977. Vous 24 avez signé February 77. Le 27. Do you know whether he was one of the first people you interrogated, or was he already number 10 or 15 or 20? Vous rappelez-vous si c'était la première personne que vous avez interrogée ou si c'était la dixième ou la quinzième sur ce document que vous avez signé en février 1977? That was the prisoner I first interrogated by myself. Le tout premier prisonnier que j'ai personnellement interrogé. It was before the time you mentioned, but I cannot tell you for sure when exactly it was. C'était avant la période de temps que vous avez mentionné, mais je ne pourrais vous dire la date précise. Are you saying that he was the one you interrogated for the first time by yourself? Vous dites que c'est cette personne que vous avez interrogée pour la première fois. Maybe before you interrogated others. Personnellement. Other prisoners with someone else? Avant, peut-être, aviez-vous interrogé des prisonniers en compagnie d'autres interrogateurs? Est-ce le cas? Heng Meng Chun, the prisoner. Heng Meng Chun. Whom I interrogated in the prisonnier que j'ai interrogé. First place. But the interrogation was conducted together with another interrogator, and the name of the interrogator was in that document, not my name. And at the time, I was learning from that interrogator how to interrogate. Et non pas le mien, car à cette époque, j'étais encore novice. We also discussed yesterday, presumably your very last interrogation, the one on the 4th of January 1979. Can you lors de votre dernier interrogatoire mené le 4 janvier 1979, pouvez-vous nous dire combien de prisonniers vous aviez interrogés au total entre février 1977 et janvier 1979? I cannot recall réponse. Well, perhaps je ne m'en souviens pas très bien. There were a little bit more than 20 prisoners, and I cannot tell you for sure how many prisoners I did the interrogation. Et je ne saurais vous dire combien de prisonniers j'ai interrogé au total. The organization DC Chem did an analysis of le CDCAM documents, and they come to a number of 53 confessions. Somehow with your name on it, would that be conclut qu'il y avait 53 documents d'aveu sur lesquels apparaissait votre nom. Est-ce que ce chiffre est exact? I simply cannot recall réponse. The number of je the ne me souviens plus locations that I did. Du nombre d'interrogatoires que j'ai effectués. However,
I can say that Cela dit, maybe there were more than 20 integrations that I did. Je pense avoir effectué plus de 20 interrogatoires. Apparemment, dans certains documents d'aveu, on trouve ma signature. Mais il n'est pas certain que cette signature soit la mienne. Because the handwritings on those documents or confessions are not mine. Dans ces documents, l'écriture n'est pas la mienne. Do you la défense. Know whether you were a member of a certain interrogation group? Si vous étiez membre d'un groupe d'interrogatoire, je ne parle pas du groupe de la mastication ou encore du groupe chaud ou froid, je parle ici du numéro éventuel affecté à votre groupe. Faisiez-vous partie du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3, par exemple? Réponse. Je faisais partie du groupe 3. Question. Well, I have in front of me j'ai sous les yeux confession un document d'aveu E3-4260, aveu signé par vous le 3 mai 77, ERN anglais, 00782984, Khmer 00257995. I don't have the French, je n'ai pas les ERN en français pour l'instant, mais excuse-moi, Monsieur le Président. Ici, il est dit que vous étiez membre du groupe numéro 2. Nous venons parler d'un document d'aveu, et là, il est dit que vous étiez membre du groupe numéro 12, document E3-1549, ERN anglais, 00769-710, en Khmer, 001744-28. Donc, apparteniez-vous au groupe 2, au groupe 3, au groupe 12? Vous en souvenez-vous? Réponse. I am not 100% certain that je which group ne sais I belong pas à 100% to. À quel the groupe j'appartenais. Group was, le group, premier the groupe, group c'était was le groupe chaud, group, so le deuxième, so c'était le froid, etc. So maybe my memory does peut-être not que j'ai well in un trou de mémoire quant au groupe auquel j'appartenais. The reason I'm asking is, question. Si je pose cette question, Duyck, c'est parce que Duyck a été interrogé là-dessus et il a confirmé qu'il y avait trois méthodes, la méthode chaude, la froide et la méthode de mastication. Mais il n'y avait pas trois groupes, comme, contrairement à ce que vous dites. Voici ce qu'il a, lui, affirmé, E3-1570. 1570. J'ai seulement le RN anglais pour l'instant, 00154192. He says, je vais citer, I confirm that there were indeed je confirme qu'effectivement, il y avait trois méthodes d'interrogatoire. But I was not the one who decided mais to spread ce n'est pas moi qui ai décidé de répartir les interrogateurs en trois groupes. Je n'étais pas au courant de cette organisation qui était peut-être en place depuis l'époque de Nat. J'ai formé les interrogateurs concernant les méthodes d'interrogatoire, mais je ne les ai pas répartis en trois groupes. Autrement dit, les interrogateurs pouvaient recourir à n'importe quelle méthode en fonction du prisonnier. Pouvez-vous réagir à ces propos, monsieur le témoin? What I studied at the political study sessions by aux séances de formation Deutsch, politique dispensées par Deutsch, retracted these statements, and I did not know from which level chose. He received je that information. D'où he il tenait ces informations, il nous a dispensé un enseignement and the, en
concernant les différentes techniques à utiliser. That's the first group was a, à savoir que le premier groupe, c'était le groupe chaud, le deuxième groupe, le groupe froid, et le troisième, le groupe de la mastication, etc. And that each member of the group has to follow il the disait techniques que chaque that he, membre du groupe us. Devait appliquer les techniques enseignées. Pour le groupe chaud, il fallait recourir à la torture et aux coups. Pour le groupe froid, il fallait utiliser des moyens politiques pour convaincre le prisonnier de nous faire confiance et de parler. Quant au groupe de la mastication, il fallait recourir so à la ruse became, pour que le prisonnier misunderstood a statement and provided the response. Réponde. La défense. What seems to confirm what you're saying that there was indeed such a thing as a chewing group is document E3/2007. Il y a le document E3/2007 qui semble confirmer ce que vous dites, à savoir qu'il n'y avait pas de groupe de mastication. ERN en Khmer 00039568, anglais 00233755 et français 00863798. Il est question dans ce document d'un groupe de mastication dont Lakmin était également membre, daté du 24 mai 1978, signature de Nan, du groupe de mastication. Savez-vous qui était Nan? Était-ce le chef du groupe de mastication? Yes, there was réponse. Il y avait there un dénommé Nan, Chen Tut, qui faisait partie du groupe de Nan, right et c'était là les bras droits de Duc. Il venait d'Omleang. Generally, I saw Nan at the special J'ai vu prison. Nan à la prison spéciale en général. And he did not come to the ordinary interrogation rooms. Il n'assistait pas aux interrogatoires dans la salle des interrogatoires ordinaires. Nan et Chan bald head étaient chauves et avaient le teint foncé parce qu'ils venaient de la région d'Omleang. But Nan was not Mais in charge Nan of the chewing n'était group. Pas responsable du groupe He de la mastication. Was, with the special Il appartenait group. Au groupe chargé des prisonniers et spéciaux. Quant à Tut, il faisait lui partie du groupe de mastication. La défense. Let me return to the number of 20 Revenons interrogations. Au chiffre de 20 Maybe there were more, but let's interrogatoires. Peut-être follow what you qu'il said, y en a eu davantage, mais tenons-nous-en au chiffre que vous avancez. Did you always use the chewing Est-ce method que with vous those, utilisiez chaque fois la méthode de la mastication en interrogeant ces 20 prisonniers ou bien est-ce que vous utilisiez aussi la méthode chaude ou la méthode froide? Regarding the interrogation conducted by members of the chewing group, they employed all methods, that is, cold method, la mastication hot method, mettait en jeu toutes les méthodes, la chaude, la froide, et parfois violence. On utilisait aussi la violence. La défense. Let me restrict myself to you only. Parlons uniquement de vous-même. Parlons des 20 interrogatoires you que vous avez menés seul. Use all three vous-même, methods, avez-vous methods, utilisé ces trois méthodes lorsque cela était nécessaire? La mastication, la méthode chaude et la méthode froide. As I have stated, réponse.
comme je l'ai dit, l'utilisation des différentes méthodes. But Turing means that the interrogation would last much longer. C'était la chaude et la froide, et quand on parlait de mastication, cela voulait dire que l'interrogatoire allait durer beaucoup plus longtemps. Maybe it's easier to limit myself to one particular. Il est peut-être préférable que je me confine à un seul interrogatoire. Prenons celui de Eng Meng Hang, alias John, E3-1549. Je viens d'en parler. You said that his interrogation was your first interrogation. Son interrogatoire, dites-vous, est le seul que vous ayez mené à bien seul. Et le premier, soit pour l'interprète. Yes, avez-vous utilisé différentes méthodes? Et si oui, lesquelles? Réponse concernant Chon, whom I personally interrogated, que j'ai interrogé personnellement. Torture was inflicted upon him, although il a été torturé, a minimum. Même si c'était une torture minimale. Question. Que lui avez-vous fait? I used Réponse. Nearby tree branches J'ai utilisé to beat him. Une branche d'arbre que j'ai trouvé à proximité. Hand, J'en ai frappé au dos, aux jambes et aux mains. And how exactly did you do Question. That? Did you, Comment vous y êtes-vous pris exactement? Leave him in the room, Est-ce que vous l'avez laissé dans la pièce? Vous êtes ensuite sorti, ramassé cette branche pour ensuite l'utiliser pour le frapper? The prisoner Réponse. Was in the room. Le prisonnier était dans la pièce. And the tree branches were about Il y one avait or two meters away from des branches d'arbres the room's wall. Un ou deux mètres du mur so de I cette guess, pièce. Broke those tree branches Je n'ai eu qu'à casser when the door was ces opened, branches. And I used it. La porte étant ouverte et ensuite Do je m'en suis servi. Question. What was it that made you decide at that very moment to Qu'est-ce qui vous a fait décider à ce moment-là de le frapper à l'aide de branches d'arbres? I wish not to respond to that question. Je préfère ne pas répondre à cette question. And why is La that, défense. Mr. Witness? Et pourquoi? Réponse. J'aime autant ne pas y répondre. La défense. Mr. President, Monsieur le Président, I understand the witness has a right je comprends not to incriminate que himself. Le droit existe pour le témoin de ne pas déposer contre lui-même. Il semble déjà avoir dit so, qu'il a frappé le prisonnier. Je me demande en quoi il pourrait s'auto-incriminer s'il venait à expliquer les raisons de son acte. La défense. Peut-être que l'avocat qui accompagne le témoin pourrait consulter ce dernier. You follow counsel? Est-ce que vous suivez les débats, maître? Maybe he's not following. That's La défense. Peut-être que non. Peut-être qu'il ne suit pas.
Le témoin, quand j'ai dit que je préférais ne pas répondre, c'est parce que j'ai déjà parlé de cela à plusieurs reprises. Je ne veux plus en parler. C'est pour moi un fardeau. Mais si vous insistez, je peux le répéter encore une fois. J'ai frappé le prisonnier à l'aide de branches d'arbres parce qu'il avait modifié ses aveux. Parfois, je devais faire peur au prisonnier. C'est pour cela que j'ai utilisé des branches d'arbres. I understand, la défense. But, je comprends. Which part of the confession did he change? Mais what did quel he change aspect from, de ses aveux from what to what? A-t-il changé? What exactly was it? Et en quoi a consisté ce changement qui vous a poussé à frapper quelqu'un, supposément pour la première fois? Réponse. Of course, I cannot recall such details. Je ne me souviens pas de ce détail, à savoir le changement dans ses aveux. What I can say is that at one point tout ce he que said je peux dire, and, c'est qu'il a dit une chose et qu'ensuite, je me suis donc adressé à l'échelon supérieur pour obtenir l'autorisation de le frapper. That's what I did. Et j'ai reçu l'autorisation et je l'ai fait. La défense. C'était donc la toute première fois que vous avez frappé le prisonnier John. Qui vous a autorisé à utiliser une branche d'arbre pour le frapper? Réponse. Doik. How long question. Did you hit him? Pendant combien de temps l'avez-vous frappé et combien de fois? Réponse. Pas très longtemps. He was a former professor. C'était un ancien so professeur. He started, writing on il a commencé à paper, écrire des choses sur un bout de papier. Confession. Il y a consigné ses aveux. He was bitten. He wrote a clear story. Après avoir été frappé, il a How many raconté times did une histoire claire. Question. Combien de fois l'avez-vous frappé? I cannot recall réponse. That. Je ne m'en souviens pas. It happened over 30 cela years remonte ago. À plus de 30 ans. La défense. Was there next time? Was there another time on another day? Après cela, un autre jour, est-ce que vous avez à nouveau frappé cette même personne? I cannot recall that. Réponse. J'ai oublié. Did you use Qu'est-ce any other methods? Avez-vous recouru à d'autres méthodes chaudes en interrogeant ce prisonnier? But réponse. The way that I beat him, that was a form of torture, and that is the harder method. Les coups que je lui ai portés, I understand, but was c'était it only de la torture et c'était la méthode chaude. They question. Je comprends bien, mais est-ce que ça s'est produit une seule fois ce jour-là, ou bien est-ce que cela s'est produit à nouveau à plusieurs reprises durant des jours suivants? Of course, the torture was not carried out on, bien évidemment, on one day. La torture it happened on a number of days, s'est allée sur plusieurs I jours, how many. Mais je ne sais plus sur combien de jours. En l'occurrence. Did you use telephone question. Wires, avez-vous electrocution by telephone wires utilisé des câbles téléphoniques pour envoyer des décharges électriques à cette personne? For this particular prisoner, réponse. No. Dans le cas de ce telephone prisonnier-là, non. To shock him.
Je n'ai pas utilisé de câble téléphonique pour lui envoyer des décharges. C'est seulement plus tard qu'on a utilisé ce téléphone pour électrocuter les prisonniers. Question, à quel moment cette méthode a-t-elle été introduite? Electric shocks were Réponse, used at on a later utilisé stage. Des décharges électriques plus tard. Did you use a plastic Question. Bag to suffocate him? Avez-vous utilisé un sac en plastique pour l'étouffer? Mien. Réponse. Yes, that method oui, was used. Cette méthode a été utilisée. My question is, did you use Question. A plastic bag on John? Je vous demande si vous avez utilisé un sac en plastique en, no. utilisant, en interrogeant Chon. Réponse, non, je n'ai Chon. Pas utilisé cette méthode avec lui. Did you, Question. Do you remember whether you in any way humiliated John? L'avez-vous humilié d'une façon ou d'une autre, ce dénommé Chon? Yes. Réponse. I threatened oui. him, but I je l'ai menacé. The detail or the days that I did that. Mais je ne sais plus quel jour c'était et j'ai oublié les détails. Without going into details, but do you know, Question, sans entrer dans le détail, in general terms, the accusation de façon against générale, him, do you know savez-vous quelles accusations pesaient contre lui of? De quoi était-il accusé? Le savez-vous? Le président, témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. C'est la même objection que la défense m'a faite hier. En réalité, on a bien compris de l'histoire qui a été développée par le témoin qui ne recevait pas de documents faisant état d'accusation contre la personne. Mais c'était à lui à découvrir ce que l'ennemi avait fait. Donc, en réalité, la question est sans doute mal formulée, puisque c'était à lui à le découvrir, ce n'était pas au prisonnier de lui dire, ou personne ne lui avait dit de quoi il était accusé. La défense, je pense que l'accusation dépose au nom du témoin. Vous l'avez peut-être observé, je limite mes questions à un cas bien précis. Sans entrer dans les détails, je pense que ma question doit être autorisée. Je pense pouvoir demander si le témoin se souvient de façon générale en quoi consistaient les accusations pesant contre John. Ainsi que les fautes qui lui étaient reprochées. Le président. The question is permissible and the La question peut être posée. L'objection est rejetée. Témoin, veuillez répondre. Witness. Le témoin. During my interrogation, John confessed Pendant that l'interrogatoire, he was, John within a CIA avoué network. Faire partie d'un réseau de la CIA. Question. Let me step away from that. Laissons cela de côté pour l'instant, Monsieur le témoin. Take you back a bit in time, Veuillez one or two months vous transporter dans before. Le temps. Jusqu'à l'époque précédant l'interrogatoire de John, un ou deux mois avant. Reportez-vous à janvier 1977. À ce moment-là, aviez-vous entendu parler de plans de coup d'État, de plans de rébellion, une rébellion qui devait être dirigée par Khoi Thun,
Chakray, Ya du Nord-Est ainsi que d'autres. Réponse. Je n'ai rien entendu de tel. C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne suis pas autorisé à évoquer le contenu des aveux, mais je me demande si votre réponse est plausible. Plus tard, avez-vous jamais entendu parler de l'implication de Khoi Thun, de Un, chef de division, de Sung, division 450, chef de la division 450, avez-vous entendu parler de leur implication dans un plan visant à renverser le gouvernement légitime du Kampuchea démocratique? Réponse, non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Did you never, in any point in time, hear about, vous n'avez donc jamais entendu parler d'accusations portées à l'encontre de Khoi Thun? Réponse. Je savais que Khoi Thun avait été arrêté, mais je n'avais pas connaissance de sa participation à d'éventuels projets. It's very tempting to go to, la défense. Confession, but il est très tentant d'aborder le contenu des aveux, mais je ne vais pas le faire. Je vais essayer de rafraîchir la mémoire du témoin autrement. Mr. Witness, Chan, monsieur le témoin, was your boss, wasn't he? Votre chef était bien Chan, n'est-ce pas? Réponse. Did not know the real position Chan held. Je ne connaissais pas However, I saw Chan les fonctions at, réelles de Chan, mais je l'ai vu me, là où Duyk travaillait et il m'a semblé que c'était un assistant Duyk. De Duyk. Question. Mr. President, I would like to show, j'aimerais an excerpt présenter from au témoin notebook. Un extrait du carnet de Chan. The particular excerpt is written down in such a way that it is highly unlikely that it is coming from il est très peu probable que ceci soit tiré d'aveux, vu la façon dont c'est écrit. C'est plus probablement le fruit de ce qui a été entendu à des séances d'études. E3-833. Khmer RN en Khmer 000 777 826 826. Apparemment, il n'y a pas translation. De traduction en français. J'y reviendrai plus tard, parce qu'apparemment, il y a une traduction française d'une partie du carnet et une traduction anglaise d'une autre partie. J'ai avec moi l'extrait en question, l'extrait original de ce carnet, et j'aimerais le présenter au témoin pour voir si cela lui rafraîchit la mémoire. Est-ce que vous pourriez répéter les numéros de RN? J'ai pas eu le temps de les noter. Could you please repeat the ERN numbers? I didn't have the time to jot them down. The document that I have, it's a bit peculiar and unusual réponse. Document. C'est un document un peu inhabituel, juge Lavergne. It has an E3 number. Il y a E3, une cote en E3, c'est E3-833. Je ne vois pas qu'il y ait d'ERN anglais. J'ai trouvé les ERN Khmer.
the original Khmer Rite du document original, du carnet original. Il n'y a pas d'ERN français pour cette page-ci, apparemment. J'ai pu constater qu'il y avait une traduction française d'une partie ultérieure du livre et une traduction anglaise d'une autre partie de ce carnet. Ce n'est pas très clair, mais j'ai l'ERN Khmer du document E3-833. Dans ces conditions, comment pouvons-nous contrôler quel est le contenu du document que vous intendez présenter? I have a first ERN English ERN number. J'ai l'ERN en anglais. I'm not making this document up. It's E3/833. Je n'invente rien. C'est le document E3/833. The Chan notebook. C'est le carnet de Chan. It says key text highlighted. The English ERN, which we have written down with pen, nous avons is 0018-4579 and then following. And, à la main, 00018. We did find the Khmer ERN of that particular 779. Excerpt, and that page is nous avons cherché l'ERN en Khmer, la page 00077826. Et c'est la page Khmer que j'aimerais soumettre au témoin. L'ERN en anglais est la traduction de la page Khmer que vous voulez présenter au témoin, vous ai-je bien comprise? Dit la juge Fens. Le président, veuillez prendre le document des mains du conseil pour le remettre à la juge Fens. For the record, I can give you now the full range of the English ERN, not only the first number. L'ERN complet it is 001-84579 until 0018-4618. À 610. Monsieur le Président. Mr. President. Juste une demande de précision, je n'ai pas compris si la page que veut utiliser notre confrère a été traduite en anglais ou en français. De ce que je comprends, non, mais est-ce que notre confrère peut clarifier? J'ai l'impression qu'il y a des traductions partielles en anglais et en français du document, mais que la page qu'il veut utiliser n'est disponible ni en anglais ni en français. Est-ce que j'ai bien compris? Is available neither in English nor in French. Did I understand this correctly? No. That's not correct. There is an English translation. Ce n'est pas exact. Il y a une traduction anglaise. C'est ce que je sais. Hier, le procureur a présenté un extrait pour dire qu'il n'y avait que la traduction française de l'extrait qu'il voulait soumettre au témoin. À ma compréhension, le document Khmer a été partiellement traduit en anglais et en français, mais pas les pages exactes. That's the situation. Telle est la situation, c'est la défense. Quand vous dites pas les pages exactes, quelles sont ces pages exactes? The specific pages. Which are the exact pages you're speaking about? Are these the pages you intend to use? What I will be using is a Khmer page and an English page. Je compte utiliser les pages en Khmer et en anglais du même document. Whether there's a French translation, I do not know, but je ne sais pas si la traduction française existe, mais je suppose, sinon le procureur nous le dirait. Je suis Fens. Pour être clair, vous utilisez la version Khmer en anglais, c'est 0018-4579 à 618. C'est exact? C'est exact, c'est la défense. Monsieur le Président, je pense avoir identifié la page. 0018-4591.
ça se réfère à une partie qui se rapporte au février 78 to a part related to February 1978 and he's speaking to Sotchuk and Chakray. Voilà. He's speaking about Sotchuk and Chakray, corrects the interpreter. I don't believe that there is a French translation, however. That is indeed the excerpt. Meanwhile, I think the witness has the original Khmer. Je pense que le témoin a la version originale en Khmer. Monsieur le témoin, avez-vous le temps de jeter un coup d'œil à cet extrait? Meanwhile, let me read to you what I have in English. En attendant, je vais vous donner lecture de ce que j'ai en anglais. Et vous pouvez me suivre. In English, I have. Monsieur le témoin, en anglais. The group of Asot. Il est dit le groupe de Asot, Achut. Achakray. Achakray. As a stepping board, June 76, made a coup en with Achakray as the core. Ont comploté. That is to attack the party center. Et ont planifié d'attaquer le centre du parti. Avec Chakray comme later leader. On, the unit plus tard, of Aoun, l'unité de Aoun, apparatus, that is the Workers' Party of Kampuchea, à savoir le Parti des Travailleurs de Kampuchea avec les impérialistes américains, they Yun, intended to grab brother et les Yun comme partisans. Ils ont tenté de capturer les frères à Borekela. Especially 170. Ils ont arrêté certains d'entre eux. The Yun and Soviet forces dissolved. Les Yun et les forces soviétiques se sont dissolues. Seules étaient restées les forces de Hattouch. These are notes, I presume, from. Je présume que ce sont là des notes. But I'm not sure. Do you recognize d'une séance? The handwriting? Mais je n'en suis pas sûr. Reconnaissez-vous l'écriture ou le texte? I do not know whose writing réponse. It was. Je ne sais pas à qui appartient cette écriture. That's no problem, but do you recognize the content? Does the content question, somehow jog your memory? Reconnaissez-vous la teneur de ce document? Cela vous rafraîchit-il la mémoire? Your interrogation of Chon. En ce qui concerne l'interrogatoire de Chon mené par vous. This document has nothing to do with the confession réponse, of Amin alias Chon. Ce document n'a rien à voir avec les aveux de Min alias Let's Chon. Let's step away from Chon, but do question. You now, laissons having seen de this document, Chan. Recall something about coup d'état plans ce document led by vous rappelle-t-il the vision commander Un? Qu'un coup d'état avait été fomenté par le commandant de la division Un? I do not know about the plan that was the business réponse, of the upper echelon, and the I do not know whether c'était the other subordinates de l'échelon supérieur knew about that plan, and for me, je ne suis pas I do sûr not que know. Des subordonnés étaient au courant de ce plan. And at the time, I did not learn mais je n'en sais rien. That some particular individual je had been arrested. Une I learned about that later arrêtée. On, and the plan je was not disseminated to me. Ce plan ne m'avait pas President, thank you. N'avait it pas is été not porté time à ma connaissance. Break. The Président. Court will take a short break from now until le moment important pour 3 nous de prendre une courte pause jusqu'à 15 heures. Waiting room.
de cette audience. For the witness during the break time, and please invite him together with the duty counsel into the courtroom at 3 p.m. The court is now in recess. Suspension de l'audience.